Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit haul nose. Un haul nose, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je pars avec ma petite liste en poche. Donc, au fur et à mesure, quand j'ai besoin de quelque chose, ben, en fait, je note. Et quand il y a une liste bien conséquente, je décide d'y aller. Donc là, ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines maintenant. J'en ai eu pour 21,39 €. Voilà, le ticket de caisse est là. Donc tout d'abord, j'ai pris des enveloppes comme ceci pour les ventes Vinted. Donc là, c'est les grands formats parce qu'il m'en restait encore des petites. Donc les 3, c'est 99 centimes et elles sont franchement très très bien. J'ai pris un Ajax. Donc j'ai pris celui-ci pour changer un petit peu parce que j'ai toujours celui au citron. J'aimerais bien changer un petit peu. Du coup, j'ai pris l'Ajax méditerranéen, donc aux fleurs, au prix de 1,29 €. Donc j'ai senti, il sent vraiment très très bon. J'ai pris des blocs WC comme ceci de la marque Domestos. Ils étaient en promo de la semaine, me semble-t-il, au prix de 1,89 €. Donc les deux. Domestos. Oui, je crois que c'est ça. 1,89 €, c'est ça. Donc les deux pour 1,89 €. Hier, il y en avait chez Noz, mais ils étaient à 1 € pièce. Donc je me suis dit, j'en trouverais des moins chers à Action. J'ai repris des petites éponges comme ceci pour la cuisine. Les éponges, c'est pas très très cher. Les éponges, je les ai payées 89 centimes. J'en ai repris également pour la salle de bain. Comme ceci, donc ceux de la salle de bain, ils sont un petit peu moins chers. Éponge à récurer. Alors non, celles-ci, elles sont à 92 centimes, pardon. Et celles-ci, elles sont un petit peu moins chères. Elles sont à quel prix, celles-ci? Elles sont à 65 centimes les deux. Donc celles-ci, c'est pour la salle de bain. Ensuite, j'ai repris un lot de 10 paquets de mouchoirs comme ceci, pur soft. Alors, les mouchoirs là-bas, ils sont pas chers non plus. C'est 89 centimes les 10 petits paquets. Et franchement, ils sont vraiment très très bien. Donc, en ce moment, avec le rhume, etc. J'ai pris ceci, le gel douche à la citrouille spécial Halloween. Donc, je suis pas forcément fan, mais pour tester. Je me suis dit, allez, ça va faire plaisir aux filles, etc. Donc, il était au prix de 1 €. Alors, je crois qu'il était au prix de 1,29 € me semble-t-il. Non, c'est pas ça du tout. Si, gel douche, 1,29 €, donc à la citrouille. Donc, l'odeur est, voilà, l'odeur est sympa, je trouve. Après, à voir, hein, ça, je pense que ça fera comme ceux à la banane, etc. Ensuite, j'ai repris ça pour moins de 60 centimes, donc des petits cotons à démaquiller. J'ai repris un lot d'élastiques à cheveux comme ceci pour mes filles à 99 centimes. Des petites bougies chauffe-plat comme ceci pour brûler mes tartelettes Yankee Candle. Donc les bougies, elles étaient en promo aussi de la semaine à 1,32 € les 18 pièces. Donc j'ai pris celle-ci, parce qu'il m'en reste encore à la vanille. Donc là, il y a cannelle, cinnamon. Bah, cinnamon, c'est ça. Donc, c'est à la cannelle. Et aux fruits rouges, je pense. Voilà. Donc là, ça fait l'affaire. J'ai pris ceci pour ma fille. Pour faire des... Comment? Des straps parce qu'en fait elle joue au foot et elle s'est fait mal à la main hier et du coup pour rassembler deux doigts ensemble j'ai pris des straps comme ceci, un rouleau en fait, voilà comme ceci, donc pour faire un bandage. J'ai payé ça 1,69 €. J'avais déjà acheté ce genre de petites choses là pour les straps et franchement c'est très très bien et ça vaut beaucoup moins cher qu'en pharmacie. Donc c'est First Aid Sport et c'est en fait un rouleau spécial pour les doigts, la main, etc. Donc bande pour sportifs. Donc c'est vraiment très très bien. Ils ont une belle gamme là-bas. J'ai pris
un petit liquide vaisselle comme ceci, pareil, en promo de la semaine. Donc, il m'en reste encore du Wingo et du PEC. Mais pour changer un petit peu et alterner, j'ai pris celui-ci. Il était en promo à 88 centimes. Donc, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il est tip-top. D'ailleurs, tous les produits de cette gamme-ci, le rose, le bleu, le jaune, le spray, etc., étaient en promo de la semaine. J'ai trouvé le fameux gommage Spa Happiness is a Journey. Donc, c'est le spécial Noël, je pense. Donc, il y avait un coffret, mais je n'ai pas pris le coffret. Oh là, ça sent terriblement bon. Ça sent un peu la noix de coco, je trouve. Donc, ces gommages-là, je les aime vraiment bien de chez Spa. Ils sont vraiment tip-top au niveau des grains, etc. Au niveau de l'odeur et tout, ça donne la peau toute douce. J'aime vraiment beaucoup ces gommages pour le corps. Et ça valait 1,99€. Ensuite, des petites gourmandises pour ma fille. Donc, elle m'a demandé de lui ramener des Reese's. Donc, il y en a 4 à l'intérieur. Donc, c'est des petites tartelettes comme ceci. Donc là, c'était 2,65€. Et pour finir, je suis passée dans le rayon... donc, après les élastiques à cheveux, je suis passée dans le rayon des petites barrettes, etc. Et je me suis repris 2 petits lots. Donc, un petit lot comme ceci. Donc là, la barrette, là, est en un peu imitation cuir. Il y en a des autres ici, des petites barrettes. Donc moi, j'aime bien ce style de barrette-là pour mettre dans les cheveux. J'en ai plusieurs, d'ailleurs, avec des perles. J'ai celle-ci, la noire brillante. Et là, je me suis dit, pour accorder avec les tenues, c'est tip-top. Donc j'ai pris celle-ci. Donc c'était 1,59€ le lot. Et j'ai pris celle-ci. Léopard, elle est trop trop belle celle-ci, et comme j'ai un chemisier léopard, ça ira très très bien avec. Et en même temps, les petites les autres sont vraiment très bien aussi hein. Donc il y en a plusieurs, j'ai vu qu'il y en avait aussi des bleus, des roses. Il y a celle avec les perles qui est vraiment très très jolie, et puis là du coup deux petites nouvelles qui iront dans ma petite boîte à accessoires pour accorder avec mes tenues. Voilà, voilà, ce haul action est terminé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!